Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et voilà, de retour sur YouTube. Cette fois-ci, voilà, c'est les vacances de fin août, on va essayer de vous filmer un maximum de choses. Là, pour le moment, on va dans un camping entre La Roche-sur-Yon et Saint-Jean-de-Mont. Demain, j'ai un concert, après on va faire le contrôle technique du camping-car. Je ne sais pas si ça va passer, on verra bien, mais au moins, on pourra rouler en toute sécurité pour au moins 2 mois. Ensuite, on va à Cholet, parce que j'ai un concert à Cholet, dans un petit festival. On va vous filmer tout ça aussi. Et ensuite, on va en forêt de Brocéliande, parce que j'ai un concert à Pimpon. Et puis après, on va essayer de naviguer un petit peu selon la météo, quoi, en Bretagne. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, on verra. On verra tout ça. Voilà, allez, générique, bonne vidéo. Ciao. Et voilà, nous voilà arrivés au plan musique. Donc j'ai pas filmé le camping, on était au camping Le Pin Parasol, je vous mettrai des images là en même temps, parce qu'on y a été l'année dernière, vous verrez, c'est un super camping, c'est cool. Et donc là, on se retrouve à Aubigny-les-Clouzeaux. Voilà, c'est le domaine de la Gautronnière, donc il y a un mariage, et puis ça va être plan musique, je vous montre 2 secondes. Hop là. Voilà, donc nous on va jouer derrière là-bas. Bon, je sais pas si les gars ils vont être d'accord pour filmer la balance. Je vais leur demander. Et voilà, on se retrouve au contrôle technique. Et Auguste a passé royalement le contrôle technique. Le gars il me dit ton camping-car il est nickel. Même pas de contre-visite, c'est bien ça. Bon, il y aura quand même quelques trucs à vérifier, notamment le... Arrête Clémence. Notamment le frein à main à vérifier, mais bon, il me dit... Si je suis en pente, je me mets en prise, et puis y a pas de problème, quoi. Donc c'est cool, ça va les filles? Je peux vous filmer ou pas? Non. Ah bon, elles veulent pas être filmées. Donc là, direction le lac de la Tricherie. On va vous montrer tout ça juste après, quoi. Eh bien, nous voilà. Alors, on n'a pas filmé du tout le lac de la Tricherie. On n'a pas filmé, il y a du vent là. On va rien entendre, mais bon, c'est pas très grave. Et là, nous voilà rendus dans une commune qui s'appelle Le Buisson. Oui, j'ai oublié de vous dire. En fait, on n'a pas filmé au lac de la Tricherie parce qu'en fait, on est arrivé trop tard. Et puis ce matin, le temps il n'était pas au rendez-vous, il a plu un peu toute la nuit, alors c'était un peu speed pour le décollage, surtout que même pour le petit-déj, c'était pas évident parce qu'il n'y avait plus de gaz, dans Auguste. Donc on s'est arrêté tout à l'heure, je ne sais plus comment il s'appelle ce bled. Voilà. Acheté une bouteille de gaz, on s'est fait une petite piscine et nous voilà arrivés au lieu du concert de ce soir. Allez, à tout à l'heure. Ça va les filles, vous êtes heureuses? Il est bien l'endroit du concert? On est au petit Canaillou. Hop, donc hop, il y a la scène, ma contrebasse est là. Et faut que j'aille chercher le pied. Waouh! Magnifique. Bon bah très bien. Bon les gars ils arrivent tout de suite. Ah bah qu'est-ce que t'as fait? Ah c'est Spoon en concert. Bah oui mais non c'est le concert annulé. Ah bon. Allez on se retrouve tout à l'heure. I'm a young man, I'm sorry.
Alors nous voilà à la Tourelle du Lac, c'est ici que a lieu le concert de ce soir. Je vais vous montrer ça juste après. Ouais, il y a Gustavo, il y a Jeanne qui est en train d'essayer le micro. Oh là là, Clémence qui touche au matos de Tamayo, il va pas être content. Il y a un tonton Pierre qui est venu nous voir. Oh, je vois rien, mais je suis bigleux sans mes lunettes. Ouais, donc qu'est-ce qui se passe là, Gustavo? Du coup, t'as embauché mes filles pour faire un nouveau groupe? Vous êtes viré. Merde, oh bah non, je suis viré. Ça va, Clémence? Donc, on est au lac de Ribou, hein, c'est super, là je suis un peu en contre-jour. Donc, il y a une petite teuf, tu veux pas être filmé, tonton? Non. Je t'ai filmé de loin tout à l'heure. Donc, c'est une guinguette, c'est super sympa. Voilà, et puis bah Gustavo, hein, toujours présent. On a ma sono, boum, et là ça va être salsa. On attend les autres qui doivent être en train de se changer. Là il y a Juju qui va venir chanter avec nous, je pense. Et les filles font n'importe quoi. Donc c'est un endroit sympa, il y a des chèvres et tout. La tourelle. Ah, et il y a Morvan qui arrive, Morvan qui est là. Il va falloir travailler un petit peu les gars, quand même. Allez, on va... Ouais. Ah ouais, bah toi t'es à la pinte de bière. Bon bah bravo, ça commence bien le concert. Bon, enfin bon, c'est pas grave. Ok. Voilà, et nous voilà le matin. Donc on a dormi derrière là, voilà. Parce qu'en fait, la guinguette où on jouait hier soir, eh ben, ça fait partie de ce qu'on appelle le domaine d'entrelac, quelque chose comme ça. Alors je vous montre. Donc là, il y a la petite table de ping-pong, il y a une piscine qui est derrière. Et puis en fait, il y a plein de mobil-homes. C'est un genre de mini-camping. Et avec la guinguette qu'on a vue juste avant. Enfin, quand on est arrivé, quoi. Voilà. Attendez, je coupe et puis je vous montre l'autre version, quoi. Hop, petit mobil-home avec super équipé et tout. Bon, c'est sympa ici. Voilà, ça vous l'avez déjà vu juste avant. Et on est là, quoi. Voilà, le lac, il est juste en bas. De toute façon, vous avez dû le voir juste avant dans les vidéos. Donc, c'est vraiment sympa. Il y a une petite maison là où il y a l'accueil, il y a tout ce qu'il faut. Hop, les toilettes, les WC. Donc si vous voulez venir passer des vacances ici, franchement, c'est sympa comme tout. Vraiment très bien. On voit le lac au fond là-bas. Du coup, nous, on va se mettre en route pour Pimpon, parce que le concert de ce soir est à Pimpon. Pimpon, en forêt de Brocéliande. Alors, à nous la Bretagne. J'ai regardé vite fait, je pense qu'il y en a pour 3 heures de route en camping-car. Donc là, je crois qu'on va pas traîner, parce que il me semble qu'on démarre le concert à 17h. Donc, le temps d'arriver,
enfin de faire la route, d'arriver, tout ça là-bas. Voilà, on va peut-être prendre quelques images de la route, je sais pas encore. Donc, surprise. Allez, restez connectés à la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. C'est important. Je vous parle de l'enfant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pour marquer ce temps-là, accrocher ses villages, ce que je suis fait. Quand l'un des amis qui nous servait de venir payer pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui t'ai mis famille, toi qui posais des lignes. La bohème, la bohème, savez-vous, on était vous. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème. Ça ne veut plus rien dire du tout. T'as mis une bougie, Clémence ? Bon, bah vas-y, mets ta bougie. C'est pour qui que tu mets la bougie? C'est pour qui? Tu sais pas? Bah c'est pour toi. Allez, pour guérir ta maladie. C'est pour grand-père. Ah, pour grand-père, ok. Et voilà. Remets-la sur le truc. Sans te brûler. Voilà, c'est pour grand-père. Bah, c'est pour grand-père, son papa et son grand-père, Auguste. C'est le nom du camping-car. Ah bah toi aussi. C'est pour qui? Tu sais pas? Donc voilà, hier on jouait ici, là, au Brésilien. Gros concert, franc succès. Les gens, ils sont cool ici. Hein. Vraiment. Quoi. Le Brésilien, une adresse à retenir. Valérie, la patronne, elle est super sympa. C'était vraiment, vraiment chouette. Un vrai concert, quoi. On a assuré. Ah bah, elle est là. Ah bah, j'étais en train de parler de toi. Salut, je peux te filmer? C'est pour notre chaîne YouTube de Camping Cariste. J'étais en train de dire, bah voilà, la patronne, elle est super sympa, c'était un franc succès. T'ouvres le bar là ou pas? Non, c'est fermé le lundi. Ah, fermé le lundi. Bon, bah écoute, c'est pas grave. C'était extraordinaire. Hein, c'était chouette, hein? Vraiment magique. Waouh! J'ai rencontré un fou et puis il nous branche pour aller faire un spectacle de clown. Je lui dis, bah je suis contrebassiste. Il fait, bah tu viens. Tu m'accompagnes. Et, voilà. Et donc, ce soir, on va faire un spectacle de clown. C'est au camping de Brocéliande. Alors moi, j'ai improvisé à la contrebasse. Hein. À Saint-Néant. Non. À Néant. Non, non. Néant, voilà, c'est ça. Donc, c'est à Diborne, je crois, un truc comme ça. Bon, bah, cool. Bon, salut Valérie. Et tu tabannes au voyage d'Auguste. Les voyages d'Auguste, ouais.
cool. Allez, bisous. Donc voilà, la rue principale de Paimpont. Sympa. Bon, je filme les plaques. J'espère qu'il n'y a pas de mari jaloux qui vont regarder la vidéo. Ça va, Clémence? Ouais. Allez, c'est parti. Il se passe des choses bizarres, hein. Je parle de Valérie et là, qui se passe? Qui passe derrière? Valérie. C'est fou, hein. Ouais, les filles font leur petit shopping. Je leur ai donné de l'argent de poche, alors elles vont peut-être s'acheter un petit souvenir de Brasserie. Et a priori, on a rencontré un clown qui fait un spectacle tout à l'heure et je lui ai proposé de l'accompagner en improvisant à la contrebasse. Donc on va peut-être faire ça tout à l'heure, on verra. Donc là, on est toujours en forêt de Paimpont et on va voir l'arbre d'or. Hein. C'est ça, je crois. C'est ça, Jeanne? Ok, on va vous montrer ça tout de suite. D'or. On va peut-être aller voir autre chose. Au revoir les amis. Au revoir. Donc voilà, la dame à côté a dit que la légende dit que celui qui s'approche trop près de l'arbre d'or est pétrifié sur le champ. Hein. C'est bien ça, je crois. Voilà. Donc on va essayer de se renseigner avec Google. Coup. Essaye de pas trop trembler. Mais qui on... Ouais, c'est comme à la fontaine de Jouvence en fait. Les gens ils font des tas de pierres. Ça tourne. Salut, du coup je m'appelle Lilou. Celui-là qui s'appelle le miroir aux fées. On dit qu'en fait il y avait 7 sœurs fées qui vivaient sous ce lac. Et qu'un jour, la plus jeune des sœurs, après 1000 ans à vivre sous ce lac, elle voit un cheval boire l'eau de ce lac. Et elle se dit, oh mais les humains, ça fait 1000 ans que je les ai pas vus, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et donc elle sort du lac et elle discute avec le chevalier qui était là. Et puis ils discutent toute la journée. Et le soir, elle rentre chez elle en faisant promettre au chevalier en faisant promettre au chevalier en fait de revenir le lendemain à la même heure. Et donc le lendemain à la même heure, la fée elle est pas là. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ses sœurs elles ont découvert qu'elle avait été en contact avec un humain. Et ses sœurs elles tuent ce chevalier. Et donc la plus jeune des sœurs quand elle se rend compte que ses 6 autres sœurs ont tué le chevalier, elle rentre dans une rage folle et elle tue ses 6 sœurs, elle récupère leur sang. Et elle en fait une potion pour faire revenir le chevalier à la vie. Et on dit que le sang de ces 6 sœurs fées, et ben en fait, il s'est répandu dans tout Brocéliande. Et c'est ce qui fait que la pierre, elle est de cette couleur, c'est du schiste rouge. Et en fait, on dit que c'est le sang des fées qui a imprégné la couleur de ces... qui a imprégné en fait toute la couleur de ces pierres. Voilà. Et voilà, donc nous sommes mardi à l'heure d'aujourd'hui.
Donc, il s'avère que là, on est au camping Le Brocéliande. Donc voilà, nous, on est posé là. On est vraiment en bordure de forêt. J'ai été voir s'il y avait des champignons, mais malheureusement, je n'en ai pas vu. Alors si, il y en a quelques-uns, mais c'est pas les bons. Voilà, ici, là, il y a l'accueil. Il y a une petite guinguette, même, ici. Bah, le camping il est là quoi. Là les filles elles sont en train de jouer à la balançoire. Voilà, c'est assez sympa, il y a des petites cabanes. Petite cabane de lutin, hein. C'est marrant ça. Il n'y a pas grand monde. Hein. C'est un peu le désert, mais c'est sympa quand même. Quoi. Voilà voilà. Ok, bah nous voilà dans un nouveau tableau. Aujourd'hui, on va faire pas mal de choses. On va commencer par... Première chose. L'église du Graal, la cachette de Merlin, le jardin aux moines. Et puis, dans la journée, on va faire plein d'autres choses. Donc, restez dans la vidéo. La grande verrière, voilà. Baigner la mire du Graal. La grande mosaïque. Ça, je l'ai filmé aussi, vous avez dû le voir. Voilà, il y a plein de trucs en fait. La vie de Saint-Onène. Une dame, une sainte, qui est enterrée à la place de cette église. Voilà. Bon, sa cachette à Merlin, elle est introuvable. C'est une bonne cachette. On va essayer quand même de la trouver. C'est bon, on est dans la bonne direction grâce à des dames. Sont derrière là. Ils ont dit c'est par là. C'était ça en fait, d'accord. Donc c'est un menhir en fait. Et c'est devenu l'école des sorciers. Ah non, voilà, c'est là la cachette de Merlin. Ah, c'est là. Non, en fait, c'est ici. D'accord. Bon, on va aller voir. Ah, en fait, c'est pas une cachette. C'est que la cachette de Merlin, c'est une salle de spectacle, en fait. Donc, en fait, il n'y a rien à voir. C'est pas grave. Allez, on continue la visite. Donc voilà, nous voilà à la fontaine de Barenton. On n'a pas fait le jardin aux moines parce que les filles ne voulaient pas. Donc, nous voilà à la fontaine de Barenton. Allez, on vous montre ça tout de suite. Alors, donc... La fontaine de Barenton, c'est qu'elle a des eaux bouillonnantes. Fontaine sacrée, prophétique, curative, propitiatoire. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Barenton est aussi, selon d'anciennes traditions bretonnes, la résidence des fées qui peuvent se métamorphoser en bulles inspiratrices et donner le pouvoir du verbe. Et ben voilà, ça va nous donner des pouvoirs, des nouveaux pouvoirs secrets. Bon bah voilà, on est sur la balade là. La balade est magnifique, on vous la conseille. C'est un petit peu long, ça fait un kilomètre, mais c'est pas mal. Bon, la fontaine, elle est pas bouillonnante en fait. C'est pas mal, ça nous a fait. Elle est bouillante de froid. Elle est bouillante de froid, Bon, c'est pas grave. Il faut être patient pour le voir bouillir.
Mais on l'a vu, on l'a vu. C'est vrai. Oui, je l'ai. Viens voir, Jeanne. Ah ben il est beau celui-là. En plus. Bon ben voilà. On n'en a pas vu qu'un. Hein. Je vous rassure, mais c'était pour vous montrer. Trois ou quatre. Il y en a un tout petit là. Où ça? Au bout là-bas? Non, là au milieu. Il est fini? Bon. Allez, on entre, on va manger. Puis après, on va aller voir le chêne guillotin. C'est parti, on finit par Excalibur. Bon, je sais plus si je l'ai dit. Oui, en fait, je pense que c'est tout simplement un phénomène géologique. L'air doit s'accumuler entre les pierres, vu que c'est une source. L'air s'accumule. Et puis du coup, ça fait des bulles d'air, quoi. Voilà, je pense que c'est tout simplement ça. Mais enfin, on est en forêt de Brocéliande, on a le droit de rêver aux fées et aux miracles. Ok, donc nous voilà sur le parking du chêne guillotin. Donc j'ai regardé un peu l'histoire. 4, si je ne me trompe pas. Donc le chêne guillotin, c'est un grand chêne qui fait 10 mètres de circonférence. Et il y a deux prêtres qui se sont cachés à l'intérieur. La légende dit qu'une toile d'araignée s'est formée et que ça les aurait protégés. Donc voilà, il y aurait entre 800 et 1200 ans, ce chêne. C'est beau. C'est beau, beau, beau. Bon. Là-haut, il a été coupé par contre. C'est les branches. Bon, il est taillé. Voilà. Et toujours en vie. Voilà. Et voilà. 5, voilà, on a mangé tout et nous voilà de nouveau sur la route. Donc nous sommes au château de Compère. Donc voilà, le château de Compère, hein, c'est une longue histoire située entre les cités historiques de Rennes et de Pleuhermel. Donc place forte de la forêt de Bresselien. Le château de Compère a subi des conflits destructeurs. Bon, Viviane, la dame du lac et le château de cristal. Le centre de l'imaginaire arthurien. Je ne sais pas ce que c'est. Mené par des passionnés universitaires artistes. Il offre une fusion entre savoir et divertissement à la croisée. Bon, allez, on va aller voir tout. C'était combien? Alors, 14, 1, 25 euros pour aller visiter le château. Non, en fait. Non. On va aller faire un manège. Numéro 6. J'ai pas assez de doigts. Tu filmes ou pas là? Oui. Bon, alors numéro 6. Tombeau de Merlin, Fontaine de Jouvence. On est déjà venu ici, mais on refait une petite vidéo parce que l'autre, elle était pas terrible. Et voilà, arrivé au tombeau de Merlin. Et on voit que si on se penche un peu, il y a plein de petits mots. Voilà. Tu vois, il y a plein de petits trucs. La fontaine de l'éternelle jeunesse. Filme-moi bien ici. Hein. Et voilà. Mythe universel, la fontaine de Jouvence procède d'une croyance en une fontaine habitée par une divinité, telle que la nymphe romaine Juventa ou la fée celte Viviane. Qui s'y abreuve ou s'y baigne, préserve ou recouvre sa jeunesse. Fontaine de la Jouvence, c'est par là. Et voilà, arrivé
Ouais, mais filme-le bien. Hein. On voit pas très bien, mais c'est tout crados. Et la fontaine n'est pas du tout remplie. Allez, salut. Donc toi, t'y crois, hein, Clémence? Non. Non, t'y crois pas, mais bon, bah, trop tard. Tu seras jamais vieille. Ouais. Voilà, c'est toujours rigolo de voir ça, là, l'état de pierre. Je sais pas ce que c'est, en fait. Mais comment ils sont descendus pour faire l'état de pierre? Bah, par là, je pense. Tu sautes, et puis voilà, quoi. Et après, comment tu remontes? Je sais pas, ça doit être des rituels. Je sais pas. Ben, voilà, quoi. Ouais, donc alors, t'as réussi à la sortir ou pas? Non? Donc voilà, Excalibur. Personne n'a réussi, hein, pour le moment. Bon, on est à la coule ici, hein. Lac étang de Trémelin, lac de Trémelin. Voilà, les jeunes, ils... apparemment, on a le droit de se baigner, donc je sais pas, on va peut-être rester par ici ce soir. Moi, ça me mange bien. Bah, si, pourquoi pas. Regarde, si ça se trouve, il y a des pédalos, il y a des trucs. Il y a de l'acrobranche. Voilà, quoi. Regarde, hop, parcours acrobranche. Il y a même des jeux. Tu fais attention, hein, tu t'accroches bien. C'est bon ou pas? C'est bon. Je stresse un peu, mais en fait, non. Donc voilà, on est à l'acrobranche du lac de Trémelin. Voilà, mon autre fille est là. Elle est où? Elle est là. Bravo. Bon bah voilà, salut le lac de Trémelin. Finalement on reste pas là. C'était bien ou pas l'acrobranche? Non bah voilà, bon, c'est super, j'ai dépensé 30 balles dans de l'acrobranche qui était tout pourri. Donc finalement on va arrêter de se faire dépecer. Donc on s'en va, on retourne à l'aire de camping-car de Pimpon pour vider l'eau et remettre de l'eau. Et après on verra ce qu'on fait ce soir. Allez, à tout à l'heure. Ah, nous voilà dans un nouveau spot entre Candé et Angers. Ça a l'air cool. Il y a un petit plan d'eau où on peut se baigner. Et puis surtout il y a des jeux. Je vous montre. Donc là il y a des jeux, il y a même des tables pop, des poubelles. C'est cool. Il y a aussi des toilettes. Et d'autres jeux là-bas, on voit Clémence au fond là-bas. Voilà, c'est la zone fitness. Jeanne a fait son petit exercice. Clémence a fait ses petits exercices aussi. Et on va voir ce qu'on fait. Nous voilà toujours entre Candé et Angers. Il s'est passé un truc improbable. Je voyais un camping-car que j'adore, le Mobile Veta Euroyacht 175, qui était garé juste derrière par là-bas. Là. Puis ce matin, je vais voir, je regarde, ah ouais, c'est bien un Mobile Veta 175 et tout. Iveco, même moteur que moi. Et puis bah, les personnes ils viennent recharger en eau. Donc bon bah je vais dire bonjour et puis là le monsieur il me dit ah non mais je te connais, c'est des voyages de Gus, moi je connais ton camping-car. Enfin voilà, super, rencontre abonnée, super sympa.
Enfin, bah, tu te reconnaîtras, hein, voilà, je fais pas de pub. Sur Facebook, David, il est présent. Donc, voilà, n'hésitez pas. Comment c'est... Attends, deux secondes. Voilà, c'est ça. C'est atelier réparation mobile et déplacement dans la France entière. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un problème de camping-car, bah, faut appeler David. Voilà. Bon, bah, je suis content de faire un peu de pub. Et puis, je pense qu'on va rester ici aujourd'hui et puis on ira au concert demain. Voilà, voilà. Allez, ciao. Et voilà, ici s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Le reste va bientôt arriver, je pense, hein. Donc, bah, comme d'habitude, laissez des commentaires. Là, ça va booster un peu la chaîne. On va essayer de... Il va y avoir plein de surprises. De toute façon, en cette rentrée scolaire 2023, je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos. On va voir comment faire cette histoire. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui regardaient nos vidéos qui n'étaient pas abonnés. Donc, c'est peut-être le moment. Abonnez-vous. On va arriver à 1500, là. Allez, ça serait bien avant la rentrée scolaire, là. 1500 abonnés. Allez, ça pourrait être pas mal. Allez, bon, tu veux dire quelque chose, Jeanne? Non? Bon, à plus dans le bus, comme dirait l'autre. À plus dans Auguste, plutôt.